Maman, il n'est pas aimé la venue de la dernière fois. C'est parce que tu trempes aussi trop tes mains. Quand on met le vernis, tu ne connais même pas entretenir le vernis. Pose et gel. Avec ça, tu peux même faire 3 mois, 6 mois, 7 mois. Ça, alors, c'est que je ne veux pas. Bonjour, Soupi. Bonjour, maman. Bah, je veux changer les vernis. Ok, attends, le finir ma cliente et si je change ton vernis. Maman, c'est même pas seulement ça qui me fait venir ici là aujourd'hui. Ma cause, ça ne va pas. Aïe, mon cœur, c'est... J'ai des problèmes. J'ai failli me faire renverser tout à l'heure avec un taxi. Je sais que c'est dans ton salon de coiffure qu'on peut trouver. Et ce soit tout genre de problème. Soupi, s'il te plaît, je veux que tu m'aides, s'il te plaît. Parle non, ma cause. Soupi, mon mari a lancé un recrutement. Et quand tu connais mon cœur, j'ai un grand cœur. J'ai dit que, ah, une petite fille au quartier, elle ne fait rien, elle a un bon niveau scolaire. J'ai dit, bon, voilà, je l'ai présentée à mon gars. C'est comme ça qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle travaille avec lui. Maintenant, il sort dans sa veuve. Maintenant, il ne m'appelle plus. Tout le temps, je l'appelle. Regarde, je l'ai appelé. J'appelle tous les jours. J'appelle. Le gars ne répond plus. J'appelle, j'envoie les messages, rien. Je fais n'importe quoi. Ouais, aïe, mon cœur. J'ai dit qu'elle est maman. Excuse-moi de te poser cette question. C'est ton mari ou ton gars? Aka, que ce soit gars ou mari, c'est la même chose. C'est mon mari, il va divorcer, il va m'épouser. C'est ce qu'il m'a promis. Vraiment, hein? Arrêtez ça, les femmes. Faut arrêter ça. Donc, tu es le mari de quelqu'un que tu parles jusqu'à tu pleures. Tu n'as pas honte. Sopita, il faut changer. Hein? Conseille ta copine de laisser le mari d'autrui. C'est quoi comme ça? De quoi est-ce que je me paye? Je t'ai posé une question, je t'ai demandé quelque chose. La manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas. Il ne t'a même rien fait. Tu n'as pas encore pleuré. Et la vie là, vraiment, ce putain, mon cœur saigne. Ton cœur n'a pas encore saigné. Voleuse de mari. Je n'entre plus jamais dans ton salon de coiffure. Toi et moi, c'est bon. C'est mieux comme ça. Ça t'est respecté, ce putain. Le chat de fils n'est pas bien pour toi, mais pour ton image. Hein? On va marcher par ton mari que c'est une coiffure. Elle-même, elle a bien dit. Que c'est ici chez toi qu'elle trouve les conseils. Ça veut dire que même ce que je te dis à mon mari, demain tu vas porter, dis à cette fille. Qui sait même, si tu as le numéro de mon mari, tu peux même donner à cette fille. C'est pas bien. Moi-même, prochainement, je vais plus venir ici. Maman, elle va faire comment? C'est le salon de coiffure. Chacun vient avec ses problèmes. Elle devait venir comme c'est la chasse, maman. Et ton problème, tu es une femme, tu accouches les filles. Va, les filles qui sont à la maison, baisser à toi. Et non seulement toi-même, tu es une femme. Si on te fait, ça va pas te plaire. Non, mais le bouillon, il part, pardon. Oh, maman, oh.